état-major Mumbere Kinza ou qui fera sentir un bateau spécial. Kama kuko mahitaji fulani fulani, unaweza andika barua kwa province, unaangalia yenyewe tunataka faire le déplacement de Mouchaki. Alors, quel sens on peut donner à vos déplacements jusqu'à ces niveaux? Merci beaucoup. Il y a deux sens. Le premier sens, c'est un message d'encouragement aux forces de défense de notre pays et aux alliés. Et le deuxième message, c'est un message de réconfort à la population, parce qu'il y a quelque temps, à cet endroit ici, il y avait la présence de l'ennemi. Mais grâce à nos forces armées, appuyées par les contingents de l'EAC, nous sommes ici à Mouchaki. Mouchaki, comme on l'a dit, c'est un théâtre d'opération, mais avec l'impulsion du chef de l'État, commandant suprême, il a donné des instructions claires pour que l'armée puisse petit à petit sécuriser sa population. Et étant donné qu'ici, il y a une population qui était sous menace ennemie ou qui était déjà sous l'emprise de l'ennemi, il était normal que petit à petit, l'armée puisse s'installer. Et c'est ce qui a été fait. Il y a de cela 5 jours, l'armée est déjà ici à Mouchaki. Mais il y a une demande de la population par rapport à la présence de cette police qui doit être proche d'elle. Vous répondez à cette question? Oui, j'ai répondu que c'est une inquiétude fondée parce que l'armée, c'est pour faire la guerre et la police, c'est pour sécuriser la population. Et donc, maintenant que je suis en train de rentrer, nous allons techniquement étudier au niveau de la province avec les services la possibilité de déployer rapidement la police à Mouchaki, où je vois une grande masse de la population qui a besoin d'un encadrement. Moi, je voudrais vous annoncer le retour des forces armées de la RDC à Mouchaki. Est-ce qu'on peut savoir sur base de quoi est-ce que l'armée a récupéré Mouchaki à l'issue d'un combat ou bien à l'issue d'un dialogue? Il n'y a pas de dialogue avec l'ennemi, comme vous le savez. Le commandant suprême a été clair, vous lui avez suivi hier. Nous sommes arrivés à Mouchaki grâce à la collaboration avec les forces régionales. Il n'y a pas eu combat, mais il y a eu plutôt une occupation parce que l'ennemi avait déjà pris distance. Mon général, vous avez quel message envers les autres populations de votre juridiction qui vivent encore dans la zone sous la botte de l'ennemi? C'est pour leur donner plutôt un message d'assurance. Que la nuit dure longtemps, mais le jour finit par venir. Qu'elle soit toujours patiente, l'autorité suprême est déterminée à ce que son armée, avec la collaboration des alliés, nous puissions reconquérir les zones sous occupation.
Oui, c'est vrai, la population aussi a une part de responsabilité. Parce que si nous n'avons pas la collaboration de la population, nous ne pouvons pas aussi gagner la guerre. Il faudrait que la population s'approprie la volonté du chef de l'État qui a mis l'impulsion de la présence de la force régionale ainsi que la montée en puissance de l'armée. Merci, Excellence. Excellence, dans beaucoup de choses, dans le cours de la Lingala, c'est trop fort, mais on va y revenir. Mais tout le monde en Swahili. Merci. En Swahili, même. Swahili, ni kusema kama tulifika hapa, tulikuwa kwa njia mbili. Ya kwanza, ni kupatia message d'encouragement kujeshi na kuifeliciter pamoja na force ya EAC yenye iko hapa, kwa nguvu yenye wanafanya, kwa kuchunga usalama ya raia, na kufanya pression morale kwa adui kusudi aondoke hapa. Ya pili ni kupongeza raia, kwani raia alikuwa amevamiwa, lakini kwa sasa hivi, kwa nguvu ya jeshi ya EAC na FRDC, sisi tunakuwa hapa kusudi tuendelee kuleta usalama ya raia, na raia wa Masisi mwenye alikimbilia sehemu fulani kwa nasumbuka, atoke mumakambi, arudie nyumbani, kusudi watoto warudie kumasomo, na kipande kidogo tutakuwa na maeleksyo, watu wote waende kumaeleksyo katika amani. Alors, olobaki na Lingala, oui. Na Lingala to yake wapo, to pesa message d'encouragement na armée, et puis to pesa ba message ya compassion na population, et puis to yebisa bango ke bazaka kana armée moko, FRDC, mokonzi ya tata, mokonzi ya mboka, pesi message alobi, to sala manso, population na eza la protéger, eza la nakimia, ba na bazonga classe, ba déplacer bazonga, to se préparer na élection. Ndeti na toyaki ya wape, tout ça na population baye wake, présence na biso dans la région, c'est pour faire la sécurité ya population. Et bon, bisika bisusu kimezongi na inote? Esika kimezongi na inote, tata mokonzi ya mboka lobi alobaki nini na tribune ya Nations Unies. Négociation ezate. Oyo ayebi ki aza Congolais, aza na kati ya Munguna. Azonga, tout ça la nae, pe na kati ya mboka, sans poser des conditions. Ah, eza na nini na ba obligation. Ba konzi ya ba région ba pesaki o ya kolobake ba sala pour cantonnement bazonga soki baza ba congolais. O ya yebiki aza étranger. Azonga na mboka naye. Voilà le message population et eza la nakima. Ate umeli mwa moke. Mais zambe akosunga. Na makasi tozana yango na lisungia ya ba force régionale. Tout qu'on recouvrait intégrité à territoire. Merci. C'est que par rapport aux inquiétudes de la population qui est encore sous la zone occupée, le message du chef de l'État est clair, il n'y aura pas de négociation. Ceux qui sont dans les rangs de l'ennemi et qui estiment qu'ils sont des Congolais, le chef de l'État leur avait tendu la main. Qu'ils reviennent, qu'ils aillent dans les cantonnements pour suivre le processus de PDDRC. Et ceux qui sont des étrangers, qui rentrent chez eux, parce que ce n'est pas eux qui viendront faire la paix entre Congolais. Et donc on donne à la population cette garantie que l'armée est en train de monter en puissance et avec la collaboration de la force régionale, nous avons les garanties que nous allons recouvrer l'intégrité du territoire. Merci. Merci. Vaya ngo mugare mwabakira mugakoma mu mashi. Okay. Engine ya pili sasa wani shanje na mukiswahili. Na nyewe musikije. Tulipata wageni ba mupi. Meni kawaida wanafika hapa kwetu kwa kutuangalia. Sasa kwa hiyo jinsi mnawafurahia tunapata papa gouverneur njoo huyo hapa anataka sasa abaongeleshe kwa mafupi tena anawasalimia asante sana. Amen. Jambo yenu? Jambo sana. Pole sana. Asante. Ah. Nafika hapa ni zaidi juu ya kuwapatia pole. Najua kama mashida ziko nyingi. Ndio. Lakini rais, president wa nchi aliniteua hapa jana. Kusudi nikuwe komanda ya operation na nikuwe gouverneur militaire à l'intérim
kwa kugomboa General Ndima mwenye alikuwa hapa jana jana. Na kama anakuja hapa leo, na waza mwa siku yenye ilipita hapa mbele kidogo, hapa mulikuwa na EAC na kulikuwa force ya adui. Ndio mulikuwa munaishi nayo hapa? Ndio. Lakini rais wa nchi alisema hapana. Sisi hatutabakia tu chini ya utawala ya adui. Ndio. Wakongomani pamoja na nchi rafiki lazima watajigomboa. Ndio. Amen. Na jeshi nasogea pole pole. Mukaribu siku 4 5 tulishafika. Tuliwaelekeza wanasukuma jeshi. Leo jeshi inakuwa hapa. President wetu wa Kongo pamoja na ministre wa defense na chef d'état major general wanasema kama inafaa tutie usalama huku Masisi. Ndio. Kusudi hao watu wenye walikimbia warudie. Ndio. Warudie watoto wafanye masomo na makazi ziendelee. Amutakuwa tena na oga, kwani nguvu ikwe naongezeka pole pole. Ndio. Nasikilizana? Ndio. Ule adui anajua kama ye ni mkongomani. Akuja ikale na sie. Ndio. Pahali ya kuleta bunduki anze kutuua kila siku. Ndio. Aache watu wako wanakimbia kila siku. Nasikilizana? Ndio. Jeshi yetu haina ukabila. Jeshi haina ukabila. Na hakuna mtu atafungwa juu iko kabila fulani wala kabila fulani. Ndio. Munajua jeshi iko na mission tatu. Jeshi ya Kongo. Ya kwanza ni kuchunga mipaka ya nchi. Ya pili ni kuchunga raia na mali yake. Ya tatu ni kuingia maproje ya nani ya maendeleo wakati ya amani. Hii mission ya kwanza njoo tuko tunapiganisha kusudi tukue na kontrole ya mipaka ya nchi. Na hawezi kuwa na control ya mipaka ya nchi wakati adui iko katikati yetu. Lazima adui afukuzwe. Ndio. Lazima adui apigwe. Ndio. Mulisikia rais alisema jana kuna sio zini kama hakuna negotiation na adui. Ndio. Ndio. Ni kusema pamoja bila kubaguana. Ndio tutapiganisha adui. Ndio. Sioni mtu mwenyewe anaweza jiita mkongomani lakini anakuja kuharibisha usalama ya waraia. Mkaangalia makambi pale chini watu wanasumbuka. Lakini anajiita aseme mimi nakuja kuwagomboa. Utagomboa mtu namna gani wakati unamwacha uhamishoni? Kugomboa mtu ni kumutilia usalama. Na njoo usalama rais wa nchi alisema tufanye iwezekanavyo pamoja na nchi rafiki turudishe usalama kwa waraia. Na njoo kwa maana nilifika hapa niwapongeze na niwaambie kama jeshi inakuwa hapa Mushaki tayari. Na tutaendelea maadi zingine kusudi usalama tuhakikishe kama inarudia kwa hii maeneo yote yenye navamiwa. Na wale wa ndugu wenyewe wako na adui kule. Kama wanajiita wakongomani kwa nini wabaki kule? Warudi, hakuna mwenye watafunga. Tunasikilizana? Ndio. Kama kuna watu wanawapigiaka simu muambie haina maana kuendelea kuuana kama ni wakongomani. Kwani tukaendelea kuuana tunapunguza njoo nguvu ya wakongomani. Sijui kama mkongomani anaweza fanya usalama ya inchi jirani akose kufanya usalama ya inchi yake mwenyewe. Ni kwa ile nilifika hapa niwaambie kama tuko pamoja na rais alisema niwapongeze zaidi. Niwaambie kama iko pamoja na nyinyi na atafanya yote nawezekanavyo kusudi amani irudie katika inchi nzima zaidi huko kwetu. Sana.
ya gouverneur. Kaji vraiment kupokea na vigelegele. Kwa majina nifikiri mwisho kwa Antoine, chef de gouvernement mfanyi matanda à l'intérim. Mahali hapa ambapo tunapatikana, tunakutania kwa groupement mbili. Groupement mfanyi matanda na groupement mfanyi karuba. Unaona iko centre Kabambi. Vraiment tunashukuru namna vile unakuja kutupongeza na kutupatia pole. Sababu mushaki na kalaka kila mara iko champ de bataille. Kuanzia mavita namna vile zilifuatanaka mpaka leo iko champ de bataille. Hakuna vita inaweza kupita huko na kule kabla ifike mushaki. Baba mzazi tunakufurahia sana ujio wako kusema ukuangalia watoto yako. Tumesha kuona FARDC umeituma, tumeiona hapa Matanda na Matanda kwa mimi naikala ku chef ya groupement. Nimeona nyingine force nyiko pale kwa batayo nyingi kutoka mu regiment ya ya Masisi kwa Colonel Tokolonga. Hao tulikuwa tunahitaji vile vile tupate na pense. Nayo isogelea population wakati wanakuwa na shida zipane malalamiko yako pense. Pense kashindwa sijana na FARDC nyiko hapa nyingi tupatia. Tunakushukuru na tunapikia asante kwa sababu. Asante sana. Nashukuru na yenyewe nasema mnajua kama FARDC haijafanya siku tano hapa. Hapana hapa. Ni kusema kwanza tu FARDC nafika na hivi unaisema narudi. PNC nayo nawaambia nao wapande wafike hapa. Asante. Ya lazima sasa kwa sisi wa raia ni kutumika mkono kwa mkono na raia na polisi. Kama kuko habari ya adui ni kuleta. Asante. Kusudi adui asiharibishe tena hii usalama mulisha kuwa nayo. Watoto warudie kwa masomo, walimu warudie kusudi tuone kama kesho itakuwa mzuri zaidi. Asante sana. Kwa majina anaita General Major Chirimwami Nkuba Peter. Chirimwami Nkuba Peter. Jadis théâtre des affrontements, la cité de Mushaki en territoire de Masisi est sous contrôle des FARDC. Cette effectivité a été constatée ce vendredi 22 septembre 2023 par le commandant des opérations et gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu. Le général-major Peter Chirimwami Nkuba a réitéré le message du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la population de la contrée, celle de compassion et de réconfort, ainsi qu'encourager les forces loyalistes et les unités burundaises qui appuie l'armée congolaise. Il a indiqué que pas question de dialoguer avec l'ennemi comme l'a annoncé le chef de l'État à la session des Nations Unies. Chaque, comme on l'a dit, c'est un théâtre d'opération, mais avec l'impulsion du chef de l'État, commandant suprême, il a donné des instructions claires pour que l'armée puisse petit à petit sécuriser sa population. Par rapport aux inquiétudes de la population qui est encore sous la zone occupée, le message du chef de l'État est clair. Il n'y aura pas de négociation. Ceux qui sont dans les rangs de l'ennemi et qui estiment qu'ils sont des Congolais, le chef de l'État leur avait tendu la main. Qu'ils reviennent, qu'ils aillent dans les cantonnements pour suivre le processus de PDDRC. Et ceux qui sont des étrangers, qui rentrent chez eux, parce que ce n'est pas eux qui viendront faire la paix entre les Congolais. La population de Mushaki n'a pas hésité d'exprimer son sentiment de joie avec le retour de l'armée régulière. Elle a émis le vœu de voir la police nationale congolaise s'implanter de nouveau dans ce groupement Mfuni Matanda, mais aussi que le gouvernement lui vienne en aide, car meurtri par la guerre. Suivez Fikiri Mwishuko, Antoine, chef du dit groupement, en parlait. Baba mzazi tunakufurahia sana ujio wako kusema ukuangalia watoto yako. Tumesha kuona FARDC umeituma, tumeiona hapa Matanda na Matanda kwa mimi naikala ku chef ya groupement. Nimeona nyingine force nyiko pale kwa batayo nyingi kutoka mu regiment ya ya Masisi kwa Colonel Tokolonga. Hao tulikuwa tunahitaji vile vile tupate na pense. Nayo isogelea population wakati wanakuwa na shida zipane malalamiko yako pense. Pense kashindwa sijana na FARDC nyiko hapa nyingi tupatia.
Signalons que le gouverneur à l'intérim et commandant des opérations au Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, était accompagné de tous les commandants des unités de son entité.